Bonjour à tous. Une petite vidéo de présentation ce matin rapide pour la planche de marquage InstaEnvelope. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit nouvel outil? Il est arrivé chez Stampin' Up vers le mois d'octobre-novembre. Donc, c'est une, comme son nom l'indique, c'est une planche pour réaliser vos propres enveloppes, mais pas que. Donc, cet outil comprend une table de marquage avec différentes tailles pour créer vos propres enveloppes, jusqu'à 66 enveloppes de tailles différentes. Elle comprend aussi un stylet, puis deux perforatrices. Le tout pour le prix de 22,95 €. Donc, il n'est pas au catalogue annuel, il faut le demander à vos démonstratrices. Donc, la présentation, l'InstaEnvelope est livrée dans une boîte en carton, dans papier bulle. Hop, vous le recevrez avec une petite notice d'utilisation. Vous avez la planche de marquage. Ici, le marquage est en pouces. Et vous recevrez aussi une étiquette en centimètres que vous pourrez coller par-dessus. Ou garder à la main à côté si jamais vous trouvez des petits tutoriels. Un petit tutoriel en pouces. Voilà. Donc, on peut réaliser des enveloppes, comme vous avez pu le voir sur... sur l'image, avec des fonds de cartes, mais pas que. On peut vraiment faire beaucoup beaucoup de choses. Ici, une de mes collègues démonstratrices l'a utilisé, la perforatrice, pour réaliser cette petite enveloppe. Bon, ça a été utilisé pour faire les encoches. On peut y réaliser tout un tas de boîtes de tailles différentes. Ici, j'ai celle-ci qui s'ouvre comme ceci. Un gros cube que l'on va fermer en perçant des trous avec des rubans. Une petite boîte. Une autre. Voilà, c'est vraiment un outil très sympa. Vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, très facile à réaliser. Ici, vous avez un marquage en pouces, mais aussi en centimètres. Il suffit juste ici, pardon, vous avez une perforatrice de ce côté là et une de l'autre côté. Alors, juste pour la petite démonstration rapide, la perforatrice ici sur le haut vous fait des encoches et la perforatrice qui est à l'arrière vous fait les arrondis. Le petit stylet est rangé ici à l'arrière. Des tampons antidérapants pour poser sur votre plan de travail. Et on aperçoit ici la perforatrice qui fait vos petits onglets. Et puis celle-ci qui va faire en haut les arrondis. Voilà, c'était juste une petite présentation rapide. Très bientôt, des vidéos pour réaliser enveloppes, boîtes, etc. À bientôt!